Ah, c'est sûr que le caporn, ça se mérite. Et là, celui-là, il a été particulièrement dur à aller chercher. Mais bon, comme il y a 4 ans, c'est pareil, ça avait été très dur aussi. Donc, non, bah, c'est super parce que ça marque quand même. Enfin, voilà, c'est, ça y est, on a franchi le Grand Sud, quoi. C'est ça qui est ce Grand Sud. On y rentre à bonne espérance. Et puis ensuite, c'est un tunnel. On se dit que si on en sort avant le Cap Horn, c'est pas bon du tout. Et voilà, donc j'ai réussi jusqu'au Cap Horn malgré plein de galères, mais bon, comme un peu comme tout le monde. Donc ouais, c'est vraiment super. Et puis c'est en plus c'est magnifique. Je vous montre si vous voulez. Attendez, regardez. Regardez. Regardez comme c'est beau. Hop, et là derrière moi, il y a les villes. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez, j'espère que la connexion est pas trop mauvaise, mais. Regardez comme c'est beau. Bah en fait, la mer est derrière le. Quand on passe le Cap Horn, après, derrière, c'est tout plat. Hein. Là, tout est bloqué. La mer, les dépressions par la cordillère des Andes. Et du coup, derrière, dans la baie, c'est. La mer est plate, le vent se calme, presque trop. Mais il n'y a qu'au Vendée Globe, finalement, où on est. D'habitude, sur toutes les autres courses, on n'est pas content quand on a du. Pas beaucoup de vent, mais sur le Vendée, c'est. C'est un répit en fait, voilà, passer le Cap Horn. Je suis content là ce matin d'avoir peu de vent parce que j'avance tranquillement et je peux faire un peu toute la liste des choses que j'ai à faire. Je cours depuis ce matin pour voilà, faire toutes les petites tous les petits bricolages que j'avais remis à bah, au jour où j'aurai la possibilité où il y aurait moins de mer et moins de vent. Donc voilà, je suis en train de faire ça depuis ce matin et puis. Et puis des fois je me dis bon allez vas-y sors regarde le paysage que c'est quand même magnifique. Alors je vois même les. Vous voyez pas là-bas derrière mais sur les montagnes qu'il y a derrière il y a de la neige. Bah oui, alors, quand on nous demande pourquoi on fait le Vendée Globe, on dit souvent pour aller voir les mers du Sud, retourner dans les mers du Sud et tout, et puis quand on y est on s'aperçoit à quel point c'est difficile. Donc on est content d'y rentrer pour les découvrir et puis enfin ou pour les retrouver puis on est content d'en sortir parce qu'effectivement ça a été la partie difficile de la course quoi donc ouais c'est bien d'en sortir et puis surtout là bah voilà passer le Cap Horn maintenant c'est la remontée dans l'Atlantique et puis effectivement le chaud. Je pense qu'on a tous souffert du froid. Il a fait vraiment, vraiment froid. Même encore là, il y a un peu de soleil, mais sinon, ce matin, il faisait horriblement froid cette nuit aussi. Donc, l'idée de remonter vers le chaud et de, c'est vraiment super. En plus, ça va très vite. Là, j'ai fait un routage tout à l'heure. Dans 10 jours, je suis au nord du Brésil en t-shirt, quoi. Donc, ça paraît fou quand on y pense comme ça. Et puis, peut-être un peu. Aujourd'hui, je pense que je vais changer de vêtements. Ça va être l'occasion voilà, de faire un reset et de repartir à fond. Et puis après, bah, la météo est pas très simple hein, dans l'Atlantique. Là, il y a du vent dans pas mal de voilà, dans pas mal de directions, notamment du pré-fort aussi. Donc bon, ça va pas être de tout repos cette remontée de l'Atlantique Sud, mais bon, au moins on retourne vers la maison. Ah ouais, c'est sûr que là, comme tu dis, il va falloir regarder devant, c'est clair, parce qu'on a passé là un mois et demi tout seul, sans voir un seul bateau. Et en fait, j'ai eu un cargo hier, enfin, depuis 2 jours, qui fait la même route que moi, et on a passé le Cap Horn ensemble. J'étais presque déçu, parce que je me dis, ça, c'est incroyable, on se retrouve quand même dans un endroit comme ça, qui est l'endroit le plus mythique du monde pour un navigateur. Et puis, je me retrouve à faire une route de collision avec un cargo. Mais il n'est pas très loin, il est par là-bas, là, dessous moi. Mais ouais, va falloir recommencer à surveiller devant. Et puis le bateau, il fatigue aussi un petit peu. Donc va falloir, voilà, pas trop. Enfin, faut arriver au sable, quoi. Donc, va falloir gérer tout ça et faire un peu comme on peut avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire, ouais, moi, par exemple, j'ai plus de grand génaqueur. Ma grand voile, je peux la mettre que à un ris ou à trois ris. Mais je peux pas ni la mettre ni grand voile haute, ni à deux ris. Il y a quelques petites contraintes quand même qu'il va falloir prendre en compte pour cette remontée de l'Atlantique.